Bonjour, je m'appelle Stéphane Miseau, bienvenue chez nous. Vous êtes ici à l'IUM, c'était une école hôtelière qui a malheureusement fermé ses portes récemment parce qu'on travaille différemment, on va directement dans les entreprises et on va travailler aujourd'hui des produits que l'on a reçus qui nous viennent d'Italie. Alors l'Italie, c'est notre pays frère voisin qui est juste à côté. On va travailler d'ailleurs des produits qui sont communs à nos deux régions. Et ben, on va commencer par déguster un peu ce que nous ont apporté et avec ça on va faire une recette à base de thon parce que on est en plein du thon et du thon frais, ça va aller très très bien, et avec le fromage et avec la charcuterie. Donc ici on a reçu quelque chose qui s'apparente à du jambon. Donc c'est un produit, je vais peut-être le montrer mieux à la caméra. Voilà, c'est un produit qui est coupé très très fin, on voit à travers, qui a une texture assez dure et qui est assez salée. Donc c'est un produit qui va se manger principalement cru. On va voir si on le met dans un plat, il faudra penser évidemment à ne pas saler le plat avant de faire la recette, ou sinon on risque d'avoir un sursalage. Mais c'est un excellent produit qui se tient très bien en bouche, hein, il est long, hein, il est très très bon en bouche. Là, on a donc des fines tranches de couane. Alors qui est très très gras comme produit. Alors gras c'est une qualité hein, pour ce genre de produit. Ça se goûte. Qui est très doux, très très parfumé. Légèrement boisé, hein, boisé. Légèrement fumé, très agréable. Et ben, je te propose d'en faire une chips tout à l'heure, qu'on voudra mettre au dernier moment sur. On va la mettre de côté d'ailleurs. Tu me passes une assiette derrière, une petite assiette. On va se prendre deux petits morceaux comme ça. Et tout à l'heure, on se fera des petites chips pour mettre sur le plat au dernier moment. Très bien, ça me plaît beaucoup. Alors là, c'est un. Ça ressemble un peu à la rosette lyonnaise, de par sa forme. Donc, c'est un produit qui est assez, gourmand, très gourmand. Et alors, en cuisine, on goûte beaucoup. Hein, on goûte tout avant de faire les recettes, évidemment. Donc, c'est un saucisson sec, légèrement poivré. C'est excellent. Ouais. Ça, je propose de le manger tel quel, à l'apéritif, avec un de ces vins qu'on va déguster juste après. Mais ça, voilà, juste comme ça, c'est excellent. Alors ça, ce produit, j'ai triché, je l'ai déjà goûté, parce que je l'ai complètement intégré à ma recette. Voilà, c'est du... On va dire, beaucoup de gens se diront, ça c'est immangeable. C'est vraiment la barbe, le gras, le pur gras. D'accord. Bon, on va pas le manger comme ça. Par contre, ce qui est excellent avec ce produit-là, et on va le faire tout à l'heure, c'est qu'en fin de cuisson du thon, on viendra le poser dessus et on va le brûler au chalumeau. Avec un petit chalumeau, on viendra le brûler. Et ça va donner exactement le même goût que... Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est une cuisson ancestrale qui se fait dans un entonnoir très très chaud où on met du lard et le lard va venir cuire l'aliment qui est dessous. On fait ça avec des grives notamment. Donc c'est quelque chose qu'on faisait avant. On va faire exactement la même chose, ça va donner le même goût. Ça va donner un goût super de rôtissoire, vraiment de rôtissoire au thon au dernier moment, ce qui va mixer le côté poisson du côté de la viande. Ah, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est un produit exceptionnel. D'ailleurs, tu me donnes le assiette de taverne. Hein. Non, c'est bon, elle est là. Donc, je la remets tout de suite de côté pour ma recette. Voilà. Hop.
Alors, on nous a amené ceci. Voilà. Donc, c'est une tomme sèche, truffée, donc à la truffe. Ce fromage-là, je l'ai imaginé dans la recette parce que c'est avec ça que l'on va agrémenter le risotto de riz noir qu'on utilisera tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on va utiliser ce risotto, d'accord, c'est du riz noir. Et on va venir, au lieu de mettre de la crème quand on monte le risotto, on va mettre un bouillon de bœuf que j'ai fait, et on va venir l'amener le côté gras et gourmand avec le fromage, et donc on mettra que du lait à la place. Voilà, ça c'est un super produit aussi, je vais mettre là, qui ira dans la recette. Bon, ça par contre on va le goûter. Ça c'est le goûter. Vous le goûtez ? Ça. On va s'occuper d'une belle tranche. Ça manque de la hein? Ça manque de la c'est bien. Ça vraiment, tu me donnes notre assiette, s'il te plaît. Ah, ça va se te mettre pour notre risotto tout à l'heure. Alors, vous voyez, les parures, je ne les jette pas. Comme à chaque fois que je cuisine, je ne jette rien. Vous savez, moi, j'ai eu la chance d'apprendre à cuisiner avec mon grand-père, qui était chasse-saucier chez Escoffier, et avec mes grands-mères. On avait nos jardins, et ils m'ont appris à ne jamais rien jeter. Donc, c'est eux qui m'ont inculqué la philosophie de travailler avec les produits les plus proches possibles de chez nous. Alors, si c'est notre potager, tant mieux. Après, d'ailleurs, il faut travailler vraiment avec les produits de la région, les produits du secteur. Travailler vraiment sur un circuit court, c'est-à-dire aller directement du producteur au consommateur ou du pêcheur au consommateur, c'est ce que l'on fait ici en tout cas, ou du boucher au consommateur. L'intérêt, vous entendez souvent ça dans les émissions de télévision, à chaque fois que l'on présente une assiette, on dit que ça raconte une histoire. Et on peut difficilement raconter une histoire si on ne sait pas d'où viennent les produits, si on n'a pas conversé, communiqué avec les gens qui fabriquent les produits. Vous fabriquez un produit comme celui-ci, la personne, je suppose qu'elle ne compte pas 16 heures, je suppose qu'elle y est nuit et jour, 365 jours sur 365, et qu'elle adore son fromage et qu'elle adore le faire goûter. Donc à nous, après d'ailleurs, de le retransmettre et de le mettre en valeur dans les assiettes. C'est très très important. Donc on ne jette rien. Vous voyez ici, par exemple, on verra tout à l'heure, ce sont toutes les chutes que j'ai gardées quand j'ai taillé mon oignon, quand j'ai préparé mes fèves, quand j'ai coupé mes pâtissons, je les ai gardées et ça je vais les utiliser pour faire justement mon fumet de poisson tout à l'heure. On ne jette rien, on utilise tout à 100%. Et ceci, alors le gorgonzola, et ben tout simplement, voilà, ça c'est, alors ça s'apparente un peu au niveau de la crème et de la friandise du fromage. Ça s'apparente beaucoup à ce que nous on a en France. Bleu. Voilà, c'est le bleu de Sassenage. Le bleu de Sassenage, en France il y a plusieurs bleus ici évidemment, mais à Sassenage il y a une petite ville où il y a un petit village, c'est un gros village. Ils fabriquent leur propre bleu, c'est le meilleur bleu de France, mais personne ne le connaît. Pourquoi ? Parce qu'en France, ils aiment bien le bleu qui soit sec, alors que celui-ci, il est vraiment crémeux, il est super agréable. Et du coup, on va l'utiliser tout simplement pour en faire notre petite sauce sur notre thon. Alors, il est persillé, évidemment, c'est un fromage persillé, qui est super crémeux, qui est super doux, qui n'est pas très très agressif au palais. Donc, et qui a une bonne longueur en bouche, donc voilà, c'est pour ça qu'on va le mettre dans le poisson. Si on avait mis un bleu qui est trop agressif, ça aurait gâché notre goût, donc ça aurait été bien dommage. Hop, alors on a pris, j'ai parlé, je les ai pris d'Italie, quelques petites crevettes tout simplement parce que ça va venir décorer notre plat et ça va venir un caractère aussi un petit peu gourmand. Parce qu'on va les faire juste passer comme ça légèrement avec un petit peu d'huile d'olive de beurre et on va les faire un peu caraméliser. Voilà, puis en plus, voilà, voir le produit par lui-même. Donc je crois qu'on a découvert à peu près tous les produits qui étaient envoyés d'Italie. À ça, on va rajouter notre thon qui a été pêché ici à côté par un pêcheur professionnel qui m'amène les poissons tous les jours. Donc je l'ai déjà préparé, j'ai gardé ce morceau-là pour qu'on le voie. Ah, donc ça, c'est un beau morceau, ça, c'est le dos du thon. C'est la partie qui est juste derrière la joue
Hein, c'est un des meilleurs morceaux du thon. Donc ça, on va juste le passer beurré très très peu cuit. Hein, c'est vraiment pour apporter le caractère. On va utiliser en légume le pâtisson. Alors il y en a un que je les ai tous taillés, mais je les garde entiers. Le pâtisson, c'est un légume qui ressemble un peu à une soucoupe volante, qui n'existe que sur la Riviera, c'est-à-dire ici, entre Monaco et Saint-Tropez, on le trouve, et sur le nord de l'Italie. Donc c'est vraiment un légume qu'on a en commun avec l'Italie, c'est ce petit légume-là, que l'on trouve nulle part ailleurs dans le monde que chez nous. Ça c'est exceptionnel. On va faire avec un petit peu de choses, on va faire une petite tuile, ça c'est pour le côté décoratif. Ici j'ai fait des petites pic... J'ai commencé à mettre dans l'huile d'olive, après on va mettre le vinaigre. Non, ça va être des petits pickles de betterave jaune. Donc ça, c'est la betterave, mais qui est dure, qui se mange comme ça. Après, on a gardé quelques ingrédients pour faire les légumes avec de la févette et avec des petites carottes jeunes. Voilà, que l'on va juste tout simplement cuire avec du jus d'orange. Et j'ai oublié le jus d'orange, il faut aller le chercher. Voilà en gros pour les produits. On a eu d'autres produits. Alors ça, avant de goûter les vins, on va les découvrir ensemble, puisque dans la recette, je vous ai expliqué qu'il fallait du vinaigre. Alors, on a deux vinaigres différents. Très beau packaging. On mettra les noms des producteurs dessous qui apparaissent au montage. J'ai un deuxième vinaigre ici, donc balsamique. Joli. Voilà, donc un tout petit vinaigre. Donc on va essayer de l'ouvrir. Voilà. Alors en France, on utilise beaucoup, comme en Italie d'ailleurs, le vinaigre dans les plats. On les met même quand on, même si on fait une viande blanche ou autre chose, on met toujours un petit peu de vinaigre, hein, pour rehausser un peu pour donner un petit peu de peps aux ingrédients. C'est toujours agréable. Sent bon. Donc, on va essayer de le voir, mais on a un produit très très épais. Je ne sais pas si la caméra peut se rapprocher pour voir le produit. D'accord, on voit qu'il est très très épais, très très gras. Alors, c'est très marrant. C'est très marrant. Il a un goût très floral. On dirait presque du miel quand on le met en bouche. Tu veux goûter ? On dirait presque du miel quand on l'embouche. Il est en première gorge, il agresse un petit peu le fond de la gorge. Par contre, après, il y a une espèce de sucrosité qui va enrober le palais. Très très intéressant, vraiment très très intéressant. Ce côté sucre qui vient par la suite adoucir un peu tout ça. Alors, c'est la Société Agricole qui a fait ça. Et c'est un produit 100% Italie, évidemment. Je prends une deuxième cuillère. Alors là, il y a l'ouverture facile, c'est plus simple. Pour les cuisiniers, c'est toujours plus simple. Donc là, on a un joli packaging, une petite bouteille qui est très sympa. Alors, pour information, c'est vrai que je fais beaucoup de démonstrations de cuisine et aussi beaucoup de reportages cuisine. Et c'est le genre de produits qui sont super intéressants quand on fait des démos, ou même quand on fait du dressage, ou quand on fait, pour les cuisines qui sont ouvertes, où on fait la restauration en salle, hein, où les clients ils voient vraiment qu'on cuisine, parce que ça permet d'avoir ces petites fioles, ces petites choses, et de venir au dernier moment.
Ça donne un côté un petit peu chimique, assez sympathique, et très beau aussi dans le packaging, donc dans le geste qui va suivre. Donc ça, c'est un produit qui est bio. Alors, il a l'air très éclosé. Si on le voit, il est encore un peu plus noir que le précédent. Il est bien plus noir que le précédent. Et il a des arômes. Oh, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle un peu le j'allais dire le goût du Porto, mais pas vraiment. Ça me rappelle un peu le goût du Moscatel. Alors, Moscatel, c'est une boisson à base de vin qui est fabriquée en Espagne. Et c'est, ouais, c'est ça. Ça a vraiment le goût du Moscatel. Voilà, tout à fait. Donc, c'est un super apéritif espagnol qui est très sucré. En plus, il y a une bonne acidité derrière. Ça, ouais. Alors, vous voyez, comme on allait avoir une recette, c'est ça aussi. Donc, les produits sont excellents. Entre les deux ont leur intérêt. Par contre, quand j'ai goûté celui-ci, tout de suite, j'ai eu une espèce d'émotion parce que ça m'a rappelé quelque chose que je connais. Donc là, notamment le Moscatel. Le Moscatel, moi, c'est mes vacances, voilà. Donc tout simplement, un produit qui me parle et qui me raconte une histoire, c'est un produit que je vais utiliser dans la recette, parce que ça va raconter mon histoire à travers la recette. Et ça, c'est très important. Donc on va utiliser celui-ci pour nos petits pickles. Voilà. Si on utilise en pour autre chose, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne les huiles, donc j'en ai deux, c'est les mêmes. Donc on a une huile d'olive. Donc c'est une huile d'olive bio également. Bon, l'intérêt c'est ça, c'est encore une fois les circuits courts, travailler avec les producteurs locaux, travailler avec des produits naturels. Voilà, il y a les produits bio et les produits naturels. Moi je prends les deux. Voilà, qui sont fabriqués avec passion, avec envie de faire plaisir, envie de transmettre des émotions. Et encore une fois, l'intérêt. Alors là, j'ai pas rencontré les producteurs, mais dès que je pourrai aller en Italie, j'irai chez eux directement pour qu'ils me racontent et qu'ils me montrent un peu comment c'est fabriqué, qu'ils montrent un peu leur champ, etc. Donc une huile qui est très très claire. Une huile qui est vraiment très très claire. Alors, par contre, c'est une première presse à froid. Ça se sent tout de suite. On sent bien l'olive. Ouais, elle est douce. Elle est douce, elle est légère. Vous voyez, il y a des huiles que quand on les déguste, après derrière, ça laisse un mauvais goût en bouche. C'est-à-dire que l'amertume va ressortir vraiment qu'à la fin. Là, il n'y a pas vraiment d'amertume qui ressort. Il est vraiment loin en bouche. Écoutez, on va utiliser cette huile là aussi pour notre recette. Et alors il y a deux produits que l'on va utiliser pour la recette. Le Prosecco, mais j'ai ouvert une autre Prosecco ici. Donc c'est deux Prosecco différents. Bon, le Prosecco c'est un vin typique d'Italie, hein. Vous l'avez ici et vous l'avez là. Donc on va les goûter évidemment. Donc c'est un vin que l'on trouve dans un fameux cocktail qui commence à faire fureur. Hein, après le mojito, il y a maintenant le spritz, c'est ça, qu'on l'appelle ? Le spritz ? Le spritz, voilà. Donc avec du prosecco. Donc il est appétillant. On va le goûter après. Alors là, il y a ça. Ça m'a beaucoup intrigué. C'est la marmelade, donc de la confiture, mais avec des morceaux. J'ai remarqué qu'il y avait des morceaux qui étaient entiers de citron. Alors quand je cuisine le poisson, très très souvent j'ai tendance à faire un petit condiment que je viens mettre au dernier moment sur mes poissons. Et ce condiment, je fais tout simplement la recette de la tarte citron meringuée que je déstructure pour avoir ce côté un petit peu sucré, un peu citronné, un peu tarte, etc. que je vais venir mettre dessus, qui va venir un côté un peu suave au plat. Avec ce produit-là, je suis sûr et certain que j'aurai plus besoin de perdre du temps à faire cette opération parce que je crois que ça va être génial pour justement venir amener ce côté peps est différent sur le poisson. Bon, normalement, je suis censé faire le creux du premier coup. Faut pas être ridicule. Voilà. Alors, vous voyez, c'est une marmelade. Ah, j'étais sûr que c'était comme ça. Ah, ça, c'est magnifique.
Là, on va même pas la travailler. On va la laisser telle qu'elle. Donc, c'est un petit produit. Tu veux goûter? Donc, les morceaux sont bien entiers. Tu veux goûter? Vas-y, prends un morceau avec ta langue. Voilà. En fait, c'est du citron confit. On a l'acidité. On n'a pas beaucoup de sucre. Ce qui est génial pour aller avec le poisson. Parce qu'on ne veut pas avoir trop de sucre dans les assiettes. Et on n'a pas d'amertume du tout alors que les peaux sont entières. Alors je pense que ça doit être les mêmes citrons utilisés que ceux qu'on utilise en Italie pour faire différentes boissons. On va faire trop de pub non plus. Voilà. On sent bien le citron, on sent bien le peps. Et il n'y a pas trop de sucre, c'est génial. Donc on viendra mettre ça au dernier moment en condiment. Et ça remplacera mon petit condiment que je le fais. Et du coup, bah, on va gagner un petit peu de temps et ça c'est pas mal. Donc voilà pour la présentation des produits. Pour les vins, malheureusement, on va goûter avec modération, évidemment. Donc le Prosecco, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui est un vin pétillant, très très clair, mais qui est un vin qui est très très sec. Alors, c'est un vin qui est vraiment très très sec, qui rappelle... Moi, ce vin-là, c'est un mélange entre le champagne français et la clairette de Die. Pour ceux qui connaissent, le champagne français qui est le champagne qui est vraiment, enfin, le champagne plutôt français, mais qui est un vin pétillant, souvent assez sec, très aromatique, pour les meilleurs en tout cas. Et la clairette de Die, c'est une autre méthode de fabrication. C'est pas une méthode champenoise, mais une méthode dioise. C'est un vin qui est refroidi, et du coup, on garde tous les arômes du raisin. Et donc on sent, il y a un arrière-goût de muscat, et voilà, c'est vraiment ça qui est intéressant, parce que du coup c'est très très très, très gourmand, très très riche. Donc dans un plat c'est toujours intéressant, parce qu'on va ramener encore quelque chose qui va vraiment rappeler la vigne, donc ça fait vivre un peu le plat. Et toujours quand on cuisine, le côté pétillant amène toujours une cuisson particulière, soit aux légumes, soit au plat que l'on va faire, parce que ça va amener de la légèreté dans la sauce ou dans l'émulsion que l'on va faire par la suite, c'est très important. Après, on a plusieurs vins, donc voilà, on a un autre vin ici. Alors après, d'ailleurs, ça va être plutôt les vins que l'on va utiliser pour boire avec le plat. Donc là, on a un vin organique bio, le Fedel, je pense que c'est comme ça qu'on dit, que l'on doit dire. Donc oui, vous avez vu, en France, on n'a pas l'habitude des bons vins avec des bouchons comme ça. Je fais une petite aparté. En France, on a toujours l'habitude d'avoir des vins bouchés. Hein, ça vient des origines de la France. Mais il vaut mieux avoir des encapsulages comme ceci, par exemple. Ça évite justement d'avoir des vins qui se détériorent par la maladie du bouchon, entre autres. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va se démocratiser, je pense, de plus en plus. Et c'est pas un mal. Donc on a un vin qui est très très clair. Pareil, limite dorée. Un vin léger. Un vin très léger, frais. Très agréable. Je pense plus que c'est un vin d'apéritif, à mon sens. Ouais, c'est un bon vin d'apéritif, très léger. Je vais le mettre à côté. Hop. Donc celui-là, c'est le Giol, c'est le même, pas ? C'est le même. En Pinot. Donc là, on a le même vin, enfin, la même fabrique, donc Giol. Et là, on est sur un Pinot. Donc déjà, on remarque que le vin, forcément Pinot, il a, même s'il est très très clair, on commence à avoir une petite pelure d'oignon légère, ce qui est normal. On a un vin qui est beaucoup plus aromatique, qui n'est pas très gras. Mais qui dévoile beaucoup plus d'arômes. Qui est un peu plus long en bouche. Ça, c'est le genre de vin qui accompagnerait très très bien une dorade par exemple, ou un loup, juste cuit marqué comme ça au feu.
Voilà, parce que ça amène un petit caractère un peu... Alors c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais voilà, vin barbecue. Le vin qui valait bien... qui valait bien justement avec un poisson un peu marqué. Hop. Et puis il nous restera les deux rouges. Alors avec le thon, moi je préconise le rouge, évidemment. Donc là on est sur un intégro. Alors excusez-moi de l'accent. C'est un vin biologique aussi. Donc on est sur un vin un peu plus. Ah oui, un peu plus sombre. Pour un rouge, oui, oui. Légèrement grenat. Donc on est sur un vin fort en tanin. Juste au nez, on le sent. Très très fort en tanin. Il y a un arrière-goût, j'arrive pas à définir, mais qui est assez agréable. Un arrière-goût de violette peut-être. Une violette très agréable. Je pense que celui-là ira très très bien. En le rafraîchissant un petit peu, il ira très très bien avec le thon. Donc hop, on va le mettre là. Et puis le dernier, donc on est sur un vin avec une très belle étiquette, assez originale. Alors je sais pas si on peut faire un gros plan sur l'étiquette, mais c'est vrai qu'elle est assez originale, à notre pensée. Voilà, j'aime bien le petit symbole au milieu qui est assez, assez festif. Donc on est sur un vin pareil qui est bio,